Salut tout le monde, c'est Ben, bienvenue dans cette nouvelle partie sur Killzone Mercenary sur PS Vita. On est sur Zenith en mode guérilla. Et bah écoutez, je pense que je vais ressortir quelques petites armes sympathiques. Ah bah parfait, la partie vient juste de commencer. Voilà, quelques petites armes que je n'utilise plus trop depuis un certain temps. Notamment l'Asta 3, avec laquelle j'ai fait quand même des bonnes parties par le passé, voilà, à la bonne époque, n'est-ce pas? Quand j'étais bon, donc ce qui n'est plus trop le cas maintenant. Allez, on va essayer de faire comme d'hab le premier kill en faisant la technique de pupus. Alors j'ai vu la mine, hein. J'ai vu la mine, ne vous inquiétez pas, j'y penserai à ne pas passer par là la prochaine fois. Ah dommage, je voulais faire le premier kill, voilà, en passant par ici. Je peux éventuellement... What? Putain, les tenues balistiques. Ah, les tenues balistiques, c'est quand même formidable. Hein. C'est quand même formidable, là, il y a des phoques qui repassent par là, non? Ah la vache, les tenues balistiques, c'est quand même monstrueux, quoi. Il était de dos à moi, j'ai tout mis dessus, mais malheureusement, bah ça passe pas. Pourtant, j'ai essayé de viser un petit peu la tête. C'est un peu con, parce que la tenue balistique est blindée aussi au niveau de la tête, c'est écrit dans la description. Bon, en tout cas, là, je suis en train de bien camper. Bon, allez, on va sortir quand même. La balistique, logiquement, devrait être là. Coucou. Oh oui. Oh, bah là, il a un cheat, hein. Oui. Ah oui, au moins je l'ai buté. J'étais sûr que j'allais mourir parce que j'avais plus de munitions. Et il y avait un adversaire qui venait, donc je n'aurais pas eu le temps de recharger. Oh oui, mon coéquipier qui me sauve. Oh, c'est bien joué. Oui, en fait, j'ai fait exprès en fait de me faire en quelque sorte sauter à la grenade dans le sens où... Ah, putain. Dommage, le petit spawn là qui nous a fait bien mal. Voilà, je savais que j'allais me faire sauter avec la grenade parce que j'avais plus de munitions et le temps de recharger. Je n'aurais jamais eu le temps en fait de faire le kill avec l'Asta 3. Donc j'ai préféré en fait... Ah dommage, la cartouche, enfin la capsule Vanguard bug, c'est dommage. Allez, vite, ne bug pas trop s'il te plaît. Ah dommage, j'ai un peu bugué là au niveau de tournée. Bon, tu sais quoi, allez, on va passer par là. C'est crade, mais bon, c'est pas grave. Ah. Et merde. Allez, allez, viens, monte ta tête là. Monte ta tête, eh ben merde. Bon, il est où? Ah oui, là, je joue comme une salope. Hein. Là, j'ai vu les mines, j'ai vu la balistique, moi. Je n'ai pas des scrupules à jouer salement, alors. Bon, écoutez, j'ai quand même pas de chance, là. À chaque fois que je suis à un endroit bien placé, il n'y a personne. Allez, un Volteur, peut-être. Ah, merde. Bon, Sky Fury, je pense qu'on va avoir personne, mais bon, en général, voilà, tous les joueurs sont à l'intérieur dans cette carte. Ouais, bon. J'ai pas de chance, j'ai... Bon, allez, on va tenter de passer au travers de cette paroi. Et merde. Oh oui, allez, de dos. What, il est mort? Ah oui, il est mort. Ok, j'avais pas vu. Nickel, allez. Allez, allez, recharge. Voilà, parfait. Bien joué, j'avais vu sur le radar, donc j'ai visé. Et donc, j'ai tué. Bon, c'est bien. C'est bien, je vais utiliser déjà mon Vanguard. Ah bah, j'avais oublié qu'on ne peut le poser nulle part, en fait, le... Oh, il est là, il est là, il est là. Coucou. Oh non. Oh non. Oh, je l'ai vu, le petit sournois là, à bout pas. Ça, c'est par contre, c'est vraiment des joueurs qui sont pas très malins. Parce que les... Bon, je vais changer d'arme parce que je suis vraiment pas bon avec, avec cette arme. Voilà. Donc, il est pas très malin parce que les lance-roquettes, c'est quand même enfin, des munitions précieuses. Mais le gars, il a gaspillé vraiment son lance-roquette alors qu'il aurait pu me tuer avec n'importe quelle arme. C'est mal joué. Alors là, je crois qu'il y a quelqu'un. Voilà! Ah, j'ai bien plombé le cul là, magnifique! Tout dans le postérieur! Bon, allez, on va recharger. Recharger, enfin, prendre la capsule. Allez, allez, allez! Oh oui! Pour une fois que j'ai de la chance, peut-être dans la partie. Allez, je vais me faire griller juste au moment de déployer, c'est ça? Non? Non, c'est bon! Bingo! Alors, j'ai aucun scrupule à utiliser, parce que là, putain, avec ce que je viens de me prendre au lance-roquette, ya! Eh oui, mal visé! Magnifique! Bon, magnifique. Pourquoi je dis magnifique? En fait, c'était un kilomantis, donc rien de plus moche. Bon, on va passer un petit peu à l'intérieur. Comme ils sont souvent à l'intérieur. Non, bon, c'est pas grave. Et donc... Ah, ta-ta-ta, oh, merde. Oh non, il va me faire chier à esquiver, lui. Ah, voilà, salut. Ah, il a voulu me ruser. Je lui ai montré que c'était le patron. Bon, alors, ils sont encore à l'intérieur, j'ai l'impression. Ah, lui, c'est le ministre de l'Intérieur, lui, il est tout le temps dedans. Oh, le ministre de l'Intérieur, très bonne blague. Non, je rigole, c'était pourri. Ne rigolez pas, s'il vous plaît. Bon, allez, on va courir. What? Ok, j'avais un pilier juste en face de ma tronche, je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Ok, il y en a un. Allez, allez, rush. Oh la vache, qu'est-ce qu'on est lent et lourd avec cette arme, c'est monstrueux.
Oh, j'ai envie de faire. Allez, je fais la salope! Eh merde! Oh, voilà, j'ai fait la salope. Oh, pour une fois, écoutez, j'ai vraiment pas de chance sur cette partie, je ne croise personne. Donc écoutez, de temps en temps, ça fait du bien de faire des kills. Oh merde! Bon, lui, il va faire chier. On va essayer de l'avoir, regardez, par les pieds, juste là. Voilà, là, je tente une approche vraiment vicieuse, là. Bon, écoutez, j'arrive même pas à reculer. Ok, voilà, c'est par là. Je vais chercher le chemin, en fait. J'ai presque envie de foncer dans le tas. Voilà, regardez, ça, c'est ce qu'il ne faut jamais faire. C'est passer en plein milieu. Et moi, je le fais. Et il n'y a personne, en fait. Bon, génial. Ok, l'ascenseur qui monte juste au moment où je veux le prendre. Ah, coco. Oh, merde. What? Il a encore la carapace, ce salaud. Bon, là, je pense que je vais crever incessamment. Sous peu. Non. Oh, putain. Je pensais pas du tout être dans le rayon. Enfin, je n'étais pas dans le rayon, en fait, tout simplement. Mais je comprends pas trop pourquoi je suis mort. C'est un rebond. Merci, mon gars. Et donc, ils m'ont bien sauvé, mes coéquipiers. Ils sont bons. Ils sont bons. Je vous aime. Oh, merde. Oh, merde. Oh, non. Au moment où j'utilise le ghost, faut qu'il y ait un plouc juste en face. Écoutez, ils me font chier. J'ai envie d'utiliser le tranquillisant. Oh, merde. Ils sont morts. Allez. Allez. Run. Allez. Cours. Tiens, salopard! Voilà, tranquillisant! Je lui ai montré que c'était le patron, moi. Voilà! Allez! Au fait. Oh oui, je pense que j'ai sauvé mon coéquipier. Je crois qu'il était en fâcheuse posture, n'est-ce pas? Magnifique! Allez, allez, j'en ai vu un qui spawn juste en haut, donc. Regardez, on prend le viseur. Alors déjà. Ya, et merde. Oui! Alors, est-ce que je l'ai eu? On a vu le viseur rouge, donc je pense que... Ah non, je l'ai pas touché. Il m'a semblé avoir vu le viseur rouge. En général, c'est quand on touche. Donc, bon, c'est pas grave. Allez, je balance ça en haut. Il y en a un là ou pas? Non. Ah non, il m'avait semblé voir un logo d'adversaire juste ici. C'est pour ça. Allez, avec un peu de chance, je prends un brouilleur ou je ne sais pas quoi pour stopper leur volteur là, qui me fait bien chier. Ah ben, mieux que ça, Mantis Engine, haha. En plus, en ce moment, avec les grands froids, c'est vrai qu'on attrape beaucoup de maladies liées à la gorge, notamment les Mantis Engine. Ah, ah, la vache, la blague qui a été faite 1000 fois, et qui n'est pas drôle, excusez-moi. Bon, mais sinon, ils sont où? Parce que là, je commence vraiment à me faire chier, là, je les vois jamais. Bon, le ministre de l'Intérieur, là, il serait pas encore là. Des fois que... Sait-on jamais? Oh oui, oui, oui! Ah oui, oui, oui! Magnifique, voilà. Où sont-ils? Je pense qu'ils sont en haut, mais je pense surtout qu'ils sont morts, hein, visiblement. Putain, je me prends des barrières en pleine gueule, j'arrive pas à avancer. Oh oui! Oh la vache, oh ce gameplay sale que je vous propose, putain, la trois quarts des kills au Mantis. Oh lui, il va me faire chier avec son... What? Pourquoi il a pas tiré, il est con? Bon, c'est pas grave, tant mieux pour moi. Ah oui, c'est parce qu'il a le truc avec verrouillage, forcément. Donc, comme il a le truc avec verrouillage, il ne peut pas tirer. Ben, rapidement. Bonjour, les barrières me gênent. Oh la vache, je propose un gameplay, mais du Nether inouï. Mais il pleut! Voilà! Oh la vache, qu'est-ce que je suis sale! Allez, on va essayer quand même de faire quelques petits kills quand même, voilà, avec une arme à feu, parce que là, je commence vraiment à être... Alors, par contre, si tu pouvais te dégager... Alors, tu me gênes énormément, toi. Voilà, merci. Allez, hop, on balance. Un peu n'importe où. Je crois qu'elle a pas explosé, d'ailleurs. Elle a pas explosé, ok. Elle s'est volatilisée. Je pense qu'elle est passée dans les confins de la carte. Bon. Oh. Oh non! Dommage, j'avais le petit face-à-face de fin. Bon, on va écouter une partie où j'aurais pas eu beaucoup de chance au niveau du gameplay, dans le sens où j'aurais pas croisé beaucoup d'adversaires. En fait, ça aurait été essentiellement du kill au Mantis. C'était bien crâne. Bon, écoutez, 13-4, sachant que j'ai dû faire à peu près 12 kills au Mantis, je pense. Donc, non, c'était une partie dégueulasse. Je pense qu'on peut dire. Bah écoutez, en bonus de fin, je vais vous proposer une partie que j'ai fait avec un ami PSN, Xekoko, voilà, qui m'avait rejoint. Je vous la propose en condensé, parce que cette partie que j'ai fait était encore moins intéressante que la partie là, en fait. Donc voilà. Bah écoutez, désolé de vous avoir proposé une partie pas très intéressante, mais en fait, j'ai pas mal tourné aujourd'hui pour essayer de vous proposer un gameplay intéressant, mais il n'y avait pas beaucoup de parties où il y avait beaucoup de monde, donc j'ai dû souvent recommencer plusieurs tournages. Donc écoutez, je vais laisser la vidéo là comme elle est, et j'espère que ça va vous plaire, voilà. Merci d'avoir commenté, enfin, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à commenter, voilà. Et à la prochaine, ciao.